Ok, donc voilà comment le kit, notre kit scolaire se présente à l'effigie de notre entreprise, c'est Easy Truth Africa. Voilà, je vais déballer déjà pour ce super sac, ce somptueux sac. Voilà. Je pense qu'il va permettre à nos petites soeurs, nos petits frères de bien travailler à l'école, d'envoyer les bons résultats à leur famille. Pour qu'il soit le futur cadre demain. Voilà, c'est notre objectif. C'est notre objectif. Soit des enfants entreprenants. Donc il est constitué d'une trousse. D'une trousse. Voilà comment elle se présente. D'un bloc-notes. D'un bloc-notes. Voilà, et puis de deux crayons. Deux crayons. Voilà. C'est vrai, pour le moment, c'est ce qu'on va offrir à maman, mais on reste en contact avec elle. Pour éventuels besoins. Voilà, nous sommes disponibles. Nous allons lui laisser notre carte de visite. Au cas où elle aurait besoin de quelque chose, qu'elle n'hésite pas à nous appeler, nous serons disponibles, disposés et ouverts pour elle. Voilà. Donc. Merci, Zitron, merci pour mon cadeau. Oui. J'ai mon entrée en 6e. Pour voir mes amis aussi. D'accord. Merci. Amen. Je suis Mme Dianguis, je résiste à Yopougon Akoui. J'ai 5 enfants. Je vends des jus de Plakali. Ma fille qui a écrit un mot sur Facebook. Voilà. Elle voulait me montrer du moment, voilà ce qui s'est passé. Dit, non, je ne vais pas voir. Il faut me laisser en personne, même manger au fait, mais pas écrit sur quelque chose sur Facebook. Et donc, dans ça, un monsieur m'a appelé, il dit ah, madame. J'aimerais vous rencontrer. Mmh. Vous êtes où ça? Il dit non, il résiste à Yopougon Akoui. Yopougon Maroc Akoui. Donc, là, il n'est pas considéré. C'est quelques jours après, 2 semaines après, il m'appelle. J'aimerais vous rencontrer. Et puis, quand il est arrivé, ils ont frappé la porte. Il me demande, madame, on est venu te voir. Il a eu peur. Il dit, ah, mais il y a eu quoi? Il pensait que mes enfants ont fait quelque chose de bêtise à l'école, donc mon cœur est coupé tout d'un coup. Mm-hmm. Il dit non, madame, il n'y a rien, on est venu te raconter. Oui, où j'habitais, ils sont venus me raconter où j'habitais. Donc ils m'ont reçu. Ah, moi aussi, ils m'ont fait une belle surprise. Moi-même, j'étais vraiment dépassé. Je ne m'attendais pas à ça. Voilà. Par la grâce de Dieu, on s'est bien entendu. Je suis M. Franck Israël Ba, représentant directeur de l'entreprise Easy Truth Africa en Côte d'Ivoire. Et il faut dire que c'était, je crois, pour revenir un peu à ce que la maman a dit,
faut dire que c'était, je crois, la semaine passée. On a vu un post fait par une demoiselle sur les réseaux sociaux. Et du coup, ça nous a interpellé, ça a attiré un peu notre attention. Et j'ai dû appeler le numéro pour avoir plus d'informations, de savoir c'était où la dame était située, la bonne dame qui s'occupe toute seule de ses enfants, savoir où elle était située. Et avec nos maigres moyens, déjà lui offrir quelque chose qui allait peut-être l'aider pour cette nouvelle entrée scolaire 2022-2023. Voilà, c'est dans ce cadre-là que Easy Truth s'est déplacé avec le peu qu'on a, en espérant de faire mieux l'année prochaine, mais les années à venir, pour venir soutenir la bonne dame. C'est dans ce cadre-là que nous sommes là aujourd'hui, chez elle à la maison. Et nous sommes vraiment, nous avons vraiment bien accueillis, nous sommes vraiment ravis de faire ce don-là à la famille. Voilà. Alors, je voulais dire merci. Merci à toutes ces personnes qui nous écrivent sur les réseaux sociaux, qui n'hésitent pas de passer leurs commandes. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, nous intervenons dans tous les secteurs d'activité, que ce soit en bâtiment, que ce soit pour les achats de vêtements, tout ce qui est colis de la Chine en Côte d'Ivoire, nous sommes disponibles, disposés pour tout le monde à travailler, pour les aider à travailler. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter. Pour nous contacter, vous pouvez joindre le 07 48 08 14 38. Et vous pouvez prendre plus de renseignements, d'informations sur www.easytradeinfo.com. Voilà. Voilà, merci Easy Trade, que le bon Dieu les bénit, que ça pousse à l'en avance. Je vous remercie. Je vous ai rien dit. Prina dit, elle est skinny pépépé. Papa, il est skinny pépépé. Après, j'ai essayé à Poutchou. On ne comprend plus rien. Son père dit, ah, tout ça, j'accepte. Elle est où? Elle est dans Israël. On va t'aider. On va t'aider. N'est-ce qu'il n'y a pas de pépé, non? On va t'aider. Faut dire au revoir. Au revoir. Au revoir.